Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous d'être là avec nous ce matin pour le deuxième débat de cette deuxième journée de la cinquième édition des Journées de l'économie autrement sur le thème donc le modèle européen est-il menacé? Je signale que donc nous fêtons les 40 ans d'alternatives économiques avec un abonnement spécialement à 40 euros la première année. Et que nous terminerons aujourd'hui après la plénière de clôture que j'aurai le plaisir d'animer à 16h30. Mais il y aura, après notre débat, encore 6 débats à suivre en direct avec nous pour lesquels vous pouvez toujours vous inscrire. Alors, j'ai grand plaisir à vous présenter les 3 intervenants qui vont débattre avec nous et avec vous, puisque vous avez la possibilité de poser des questions directement en ligne au fur et à mesure où vous le souhaitez. Je vous invite à les poser non pas dans le chat, mais les poser de façon de préférablement sur l'icône que vous voyez à droite, questions. C'est là où il faut mettre vos questions. Nous les prendrons au fur et à mesure. Et ensuite, après des propos liminaires de nos 3 intervenants, vous pourrez voilà, les poser et puis nous débattrons ensemble. Donc, je vous présente Guillaume Duval. Alors, Guillaume Duval, je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter, voilà, qui a travaillé très longtemps à Alternatives économiques, donc journaliste, qui a été rédacteur en chef du magazine, et qui a également été éditorialiste et ainsi que membre du conseil économique, sociale et environnementale. Guillaume, je te repasserai la parole dans 2 minutes. Et si tu veux préciser d'autres choses, bah, peut-être tout de suite tu pourras préciser le livre que tu as publié, Une chance pour l'Europe au petit matin, et expliquer aussi pourquoi ça répond particulièrement bien au sujet d'aujourd'hui. Je vous présente ensuite Marie-Christine Vergiat. Marie-Christine, donc, vous avez été députée européenne pendant une dizaine d'années. Vous êtes aujourd'hui vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et vous êtes également membre de la commission des libertés civiles. Je vous laisserai aussi préciser dans 2 minutes, quand vous prendrez la parole, ce que vous voulez éventuellement ajouter. Et vous êtes voilà, très engagé pour la défense des droits de l'homme et des libertés civiques. Enfin, Philippe Marlière, bonjour. Alors, Philippe Marlière est en direct de Londres avec nous. Philippe Marlière est professeur de sciences politiques et vous êtes notamment, vous dirigez le département d'études politiques européennes à l'University College London et vous travaillez aussi sur la France et vous préparez un ouvrage en ce moment sur le Brexit. Alors, je ne sais pas exactement quand il va paraître, vous pourrez le préciser également. Donc, pour très rapidement, camper un petit peu le sujet, pour ceux qui n'auraient pas lu la présentation, évidemment, nous vivons une période de bouleversement très intense, puisqu'on a les économies européennes et l'économie mondiale frappée par la pandémie de Covid-19, et elle met, notamment pour l'Europe, elle a mis très rapidement à nu la fragilité du modèle européen, qui était déjà ébranlé fortement par le Brexit et la montée des autoritarismes et illibéralismes dans un certain nombre de pays d'Europe. On a un plan de soutien de 750 milliards d'euros, avec un mode de financement particulier que je vais te laisser peut-être décrire, Guillaume. Et peut-être pour démarrer, si tu pouvais nous donner ta définition en quelques mots du modèle européen. Qu'est-ce que c'est, si on parle d'un modèle européen menacé, comment le décrirais-tu? À toi, Guillaume. Bonjour et tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, le modèle européen, qu'est-ce que c'est? C'est une zone dans le monde qui cumule à la fois les dépenses publiques, les dépenses sociales les plus importantes au monde, un système de protection sociale très développé. Alors, pas un système européen, c'est des systèmes nationaux et ça fait partie des difficultés. Et d'autre part, une zone au monde où la démocratie, les libertés publiques et individuelles sont aussi les plus développées, même si elles sont menacées, y compris au sein du pays des droits de l'homme, comme chacun le sait. Donc c'est ça.
plus aujourd'hui, donc un ensemble politique qui a été formé depuis plus de 60 ans pour rassembler tout ça et essayer de développer dans une zone qui a été très longtemps menacée par des guerres, enfin menacée et traversée par des guerres, développer enfin, la paix et la coopération. Alors, le modèle, la question était, est-il menacé? Ma réponse, c'est, il me semble qu'il a été beaucoup plus menacé ces dernières années qu'il ne l'est aujourd'hui, et que plutôt le contexte récent, a plutôt tendance à renforcer ce modèle, enfin, la construction européenne que l'inverse. Donc, on se souvient du référendum de 2005, on se souvient de la crise de la zone euro en 2010, la crise grecque en 2015, etc. Donc, il y a eu toute une époque où, à juste titre, l'utilité du modèle européen, enfin de la construction européenne, a été remise en cause, à juste titre, parce que ça fonctionnait très mal. Il y avait de plus en plus de divergences entre les différents pays. On n'a pas été capable d'avoir une politique industrielle européenne. On était très ouvert à tout. Les vents et au dumping social et écologique et au dumping fiscal. Donc, il y avait des bonnes raisons de critiquer le modèle européen et il a failli exploser à toutes ces occasions. Je crois que la période plus récente a été plutôt une correction par rapport à toute cette période-là. Donc, ça s'est caractérisé notamment par l'arrivée de Trump, Orban. Erdogan, donc la multiplication des menaces extérieures vis-à-vis de l'Europe, de gens qui avaient une attitude très hostile, et ça a eu en particulier comme conséquence que nos amis allemands, qui avaient l'impression qu'ils pouvaient s'en sortir tout seuls, et qu'en fait finalement ils n'avaient pas besoin de faire des concessions pour que l'Europe existe, pour soutenir les pays d'Europe du Sud, etc., etc. Nos amis allemands ont fini par se rendre compte que tout seuls ils s'en sortiraient pas, que face à des Trump, à des Poutine, ils feraient pas le poids et qu'il faudrait faire des choses. Ça s'est traduit notamment dans cette crise par effectivement ce que tu évoquais tout à l'heure, donc une décision historique par sa nature plus que par son ampleur, parce que son ampleur reste malgré tout limitée, mais par sa nature d'avoir donc ce plan de relance qui est financé par de la dette européenne et qui se traduit par une augmentation des transferts des pays riches vers les pays pauvres au sein de l'Europe. Donc je crois que Et je pense que du point de vue des Européens eux-mêmes, dans le contexte de la crise, ils se rendent compte tous, enfin les populations européennes se rendent compte aussi de plus en plus que tout seul, personne s'en sortira dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et qu'il faut vraiment faire corps pour avoir une chance de se sortir des crises dans lesquelles on est, la crise écologique, la crise sanitaire y compris, la crise économique, dans le contexte mondial tel qu'il est aujourd'hui. Ça se traduit notamment par un recul des forces d'extrême droite, des forces les plus souverainistes. On le voit en Italie où Salvini est en difficulté, on le voit en Allemagne où l'AfD recule, on le voit moins en France parce que on a des problèmes, je dirais, franco-français plus importants que d'autres, mais globalement à l'échelle européenne, je pense que ce sentiment recule. Alors, ce qui peut se produire aujourd'hui, puisqu'on m'a dit qu'il fallait être bref, c'est que l'élection de Biden peut paradoxalement remettre des difficultés par rapport à ça. Donc, il y a la tentation, notamment en Allemagne, d'essayer de revenir au bon vieux temps de la relation transatlantique où on n'essayait pas vraiment de construire l'Europe, en particulier en matière de politique étrangère et de défense. Et ça avait changé avec Trump, mais avec Biden, la tentation de se dire qu'on va revenir au bon vieux temps existe. Je pense que c'est une illusion et qu'effectivement, il faut qu'on continue et qu'on soit même plus dur avec les Américains sur les questions en particulier liées aux GAFA, liées à la fiscalité des multinationales. Il faut qu'on soit assez dur avec les Américains et qu'on continue à l'être,
même avec Biden, même si effectivement ça fait quand même une différence utile, et si face à la Chine en particulier, il y a sans doute effectivement des choses à faire avec les Américains, puisqu'on partage malgré tout pas mal de choses avec eux, plus qu'avec un régime dictatorial et très totalitaire qui menace aujourd'hui, enfin, qui pourrait menacer aujourd'hui l'existence de nos valeurs et de nos démocraties s'il devenait dominant à l'échelle mondiale. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Je pense que c'est vrai qu'on a mal géré la crise sur le plan sanitaire en Europe, mais que malgré tout, cette crise et le contexte international vont plutôt dans le sens d'un renforcement, en tout cas de la solidarité européenne, même si effectivement ça menace le modèle européen et en particulier sa dimension sociale, sa dimension de dépenses publiques par les difficultés économiques que ça crée dans l'immédiat. Merci beaucoup, Guillaume. De toute façon, on va revenir. Ce n'est pas la seule fois où tu vas pouvoir t'exprimer, Guillaume. C'est un sujet extrêmement riche et c'est un sujet auquel Philippe Frémaux, à qui je veux aussi rendre hommage, juste avant de passer la parole à Marie-Christine Vergia, qui est éminemment européen, qui travaillait beaucoup sur ces questions-là, qui réfléchissait toujours aussi à l'économie sociale et solidaire dans un contexte européen, et avec qui on avait préparé cette table ronde. Voilà, Philippe Frémaux, pour ceux qui nous ont rejoints récemment là sur ce débat, et nous a quittés en août dernier. Et moi, il m'avait recruté comme troisième journaliste en 1992, et voilà, on lui dédie bien évidemment cette cinquième édition des Journées de l'économie autrement, et avec une pensée extrêmement ému, pour Philippe. Marie-Christine, je vous passe la parole. Donc, vous partagez cette vision assez optimiste de Guillaume Duval. On ne vous entend pas, Marie-Christine, il faut... Merci. Pardon, j'ai oublié le micro. Je voudrais tout d'abord m'associer à l'hommage que vous avez rendu à Philippe. Je crois que Philippe m'a beaucoup appris. Nous avons beaucoup échangé sur ces questions-là. Ça va me permettre de rejoindre Guillaume, parce que nous avons beaucoup échangé, parce que Philippe était à peu près sur le même point de vue que Guillaume, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec son optimisme. Ça dépend de ce qu'on appelle l'Europe, ou ce qu'on appelle l'Union européenne, d'ailleurs, parce qu'on a un peu tendance à négliger ce qui est à l'est de l'Union européenne. Et éventuellement, pour définir le sujet, votre conception du modèle européen, comment vous le voyez ? Oui, mais j'allais y venir, justement. Moi, j'ai toujours été européenne. Je crois que j'ai eu beaucoup d'amis qui n'ont pas compris mon positionnement quand je suis devenue députée en appartenant à la gauche européenne. Et pourquoi ? Parce que nous étions les seuls. Alors après, il y a une grande diversité à l'intérieur de la gauche européenne, mais la majorité aujourd'hui des membres de la gauche européenne sont plutôt alter-européens que anti-européens. La nuance, c'est qu'on n'est pas anti-européens, justement, mais on fait des propositions pour construire une autre Europe. Et dans les 10 ans que j'ai passé au Parlement, ça a encore évolué plutôt dans ce sens-là, y compris dans d'autres groupes politiques avec qui, sur certains sujets, nous pouvions faire alliance de cette façon constructive. Et je crois que au niveau européen, justement, on peut construire des coopérations alternatives contre le modèle dominant actuel. Parce que, comme Guillaume vient de très 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 bien le démontrer, l'Union européenne est d'abord un espace économique. Il nous a parlé quasiment que d'économie. Donc, je pense que, pour moi, si cette Union européenne doit continuer d'exister, elle ne continuera pas d'exister, y compris si on veut lutter contre la Chine, elle ne continuera pas d'exister si elle ne défend pas ses valeurs. C'est l'article 2 des traités. Dans cet article 2, on rappelle toutes les valeurs fondamentales en matière de droits et libertés. Pour gagner du temps, je ne vais pas les énumérer. Mais si cet espace démocratique n'est pas défendu, si on se rapproche des Orban, Erdogan, voire Trump, dans un modèle qui est de plus en plus répressif, avec des politiques qui sont de plus en plus répressives,
notamment à l'égard d'un de mes sujets de prédilection que je vais un petit peu développer, que sont ceux qu'on appelle les migrants. Donc, quand on regarde la construction européenne sur ces questions-là, moi, je suis persuadée que sur ces questions, il faut avoir une politique européenne. Mais il faut avoir une politique européenne qui ne soit pas une politique de rejet de l'autre. De quoi on parle quand on parle des migrants? Eh bien, on parle uniquement de ceux qu'on ne veut pas. Parce que chaque année, il y a des gens qui migrent vers l'Europe, dans l'Europe, parce qu'il y a des migrations intra-européennes, il y a des migrants de nombreux pays du monde qui viennent en Europe, mais ils viennent quand même beaucoup plus des pays de l'OCDE que des pays en voie de développement. Et ceux dont on ne veut pas, c'est justement ceux des pays en voie de développement. Et on ne leur donne pas de visa. Donc, comme ils n'ont pas de visa, ils n'ont qu'une façon de venir dans l'Union européenne, c'est les voies irrégulières et de passer par les mains des passeurs. Donc, on peut toujours lutter contre les passeurs, fermer les frontières, comme on est en train de le faire encore plus avec le soi-disant nouveau pacte européen qui n'a rien de nouveau, qui n'est que la poursuite des politiques européennes en la matière. Et je crois vraiment que si on veut sauvegarder tout ça, il faut éviter le rejet de l'autre, de celui qui est différent. Parce que le différent, l'étranger, il a beaucoup changé au fur et à mesure des siècles, et notamment du dernier siècle. Parce que, juste un mot là-dessus, je passerai au deuxième sujet, mais sans doute encore un peu plus vite. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'étranger, il était y compris en France. Il faut voir comment on traitait les Bretons ou les Savoyards au milieu du 19e siècle. Si vous travaillez un peu sur l'histoire, vous allez voir des pancartes qui marquaient interdit aux Italiens et aux chiens. C'est quand même un symbole assez, assez fort. Donc aujourd'hui, on a déplacé notre regard et la différence, c'est les anciens pays coloniaux. Donc, je crois qu'on a un travail à faire par rapport à ça. Deuxième chose, ce qui concerne l'état de droit et les droits de l'homme, avec l'exemple de la Hongrie. Et je pense que si on avait réagi par rapport à la Hongrie dès 2011, parce que M. Orban a été élu, ou plutôt réélu en 2010, il était libéral avant, et si on avait réagi dès 2011, comme l'a fait le Parlement européen sur la liberté de la presse, et a continué à le faire, et continue de le faire d'ailleurs, on n'en serait probablement pas là. On n'en serait probablement pas là parce que ça n'aurait pas ouvert une voie pour les illibéraux. Le modèle défendu par Monsieur Orban, qui en deux mots, c'est on renonce à la démocratie libérale et on est sur un système où c'est la majorité qui décide de tout et qui met en branle, y compris les valeurs. Donc, je crois qu'on en serait effectivement, on aurait une autre image de l'Europe. Et je pense que si on ne défend pas ces questions, le modèle européen est très menacé. Parce que qu'est-ce qu'on aura à dire aux autres pays si on continue, notamment dans la répression tous azimuts de l'opposition, comme on le voit en France aujourd'hui? D'accord. Alors, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, par rapport à la France, pour la première fois, la Commission a immédiatement réagi. Et je crois que c'est ce qu'il aurait fallu faire aujourd'hui. Et d'un mot encore, je vais m'arrêter là. On ne serait pas dans le système de blocage actuel, justement sur le plan de relance, si on avait réagi. D'accord, merci beaucoup Marie-Christine. En effet, c'est intéressant de voir qu'on est rappelé à l'ordre par la Commission européenne. Donc, ça dit quelque chose également. Donc, je rappelle très rapidement à nos auditeurs qu'ils peuvent poser des questions que nous allons prendre après l'intervention de Philippe Marrière pour nourrir ce débat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et répondre aux sondages également qui vous sont proposés. Je passe maintenant la parole à Philippe Marrière. Merci beaucoup. On serait donc, voilà, très, on est très
intéressée d'avoir votre point de vue, notamment parce que vous habitez à Londres depuis extrêmement longtemps et vous avez peut-être une position un petit peu différente. Est-ce que vous avez la sensation que l'Europe a tenu ses promesses d'un point de vue notamment social et économique, et vers où va-t-on? Est-ce qu'on a un modèle en effet menacé ou pas? Merci Catherine de me donner la parole et de permettre de m'exprimer ici. Aujourd'hui, je voudrais aussi saluer la mémoire de Philippe Frémaux qui avait eu l'extrême gentillesse de m'écrire pour m'inviter au début de l'été. Je l'avais lu, je n'avais pas eu la chance de le rencontrer, mais je l'avais lu et j'aimais beaucoup, j'appréciais son écriture sur les sujets sociaux, politiques, critiques, mais précises et pondérées. Voilà, je voulais le dire aussi. Je pense que Guillaume Duval et Marie-Christine ont posé des passerelles vers mon intervention qui va se concentrer de façon très schématique, parce qu'il ne faut pas parler longtemps, sur la question démocratique. Je pense qu'en parlant de modèle européen, Guillaume Duval l'a bien dit, il y a différentes facettes, le social, l'économie, la culture, la civilisation, mais je crois aussi la démocratie. Souvenons-nous qu'en 2012, l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix à ce titre. Hein. C'était pour, en récompense de la promotion de la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. Pour adhérer notamment depuis la vague d'accession à l'Union européenne dans les années 2000, des pays donc d'Europe centrale et de l'Est, il y a des critères d'adhésion, les soi-disant critères de Copenhague, il y en a plusieurs, notamment un de nature économique, une économie de marché, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on insiste beaucoup sur le critère démocratique. Il faut être une démocratie qui fonctionne bien. Il faut garantir l'état de droit. Voilà donc un autre point. Et puis finalement, Marie-Christine l'a cité, l'article 2 des traités européens qui évoque, et je vais citer cet article, il est court, mais il est intéressant, une union fondée sur les valeurs de respect, de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Tiens, ça c'est intéressant, cette dernière précision pour nous en ce moment. Ce que je voudrais dire, et là-dessus je suis un peu plus pessimiste que Guillaume et plus enclin à rejoindre Marie-Christine là-dessus, je suis assez pessimiste justement sur l'évolution des événements en Europe de ce point de vue-là, sur la question démocratique. Il y a aujourd'hui en Europe, il faut le dire clairement, des régimes autocratiques, gérés par des autocrates, qui d'ailleurs ont été élus de manière en apparence loyale, légale, par le biais d'élections, et même réélu. On a déjà cité le cas le plus flagrant de la Hongrie d'Orban. Effectivement, schéma le suivant, on gagne des élections, un parti gagne des élections, et puis très vite il met sous tutelle la justice, puis les médias, il diabolise et met sous l'été noir l'opposition, qui quasiment ne peut plus s'exprimer ou est. Et puis aussi, il remet en cause les libertés publiques fondamentales en passant des lois liberticides. Et il est réélu, mais il est réélu dans un contexte d'élection en apparence légale, mais dans des conditions tellement de pression, d'intimidation. Pensez un petit peu à ce qu'a essayé de faire Trump depuis avant et après l'élection américaine. Bon, c'est un peu ça ce qui se passe dans un pays comme la Hongrie et d'autres pays tels que la Pologne aujourd'hui. Les politistes appellent ça des autocraties compétitives, et nous en avons donc à coup sûr la Hongrie, probablement la Pologne aussi, et d'autres pays finalement hein, pourraient évoluer dans ce sens. En Pologne, juste un exemple, le cas du juge Igor Tuleya, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un juge critique du pouvoir autocrate polonais, et qui est aujourd'hui en train d'être destitué de sa position de juge par d'autres juges élus, nommés par le pouvoir, qui sont donc à la botte du pouvoir et qui risquent aujourd'hui jusqu'à 3 années de prison. Voilà, tout ça se passe aujourd'hui au cœur de l'Europe. Donc, deuxième point que je voudrais faire, comment en est-on arrivé là? Je crois que il y a des raisons internes à l'Union européenne, externes, parce que l'Union européenne n'est pas un deus ex machina qui fonctionnerait tout seul sans l'accord et l'appui des États membres, des États nationaux. Donc il y a un mélange d'intergouvernementalisme et
aussi de supranationalisme, comme on dit. Je crois que tout simplement, le transnational, chaque grand groupe politique en a un, fait que il s'accommode très bien dans l'ensemble de ces autocrates et de ces démocraties imparfaites, notamment le Fidesz de Viktor Orban, mais tous les partis en ont, chaque parti a son petit autocrate finalement sous son aile, parce que ça les arrange, ça amène des voix au groupe parlementaire dans les votes, même le parti des socialistes européens, avec le PSD roumain par exemple, hein, qui a été suspendu par le PSE, exactement pour atteinte à l'état de droit dans son pays. Ursula von der Leyen a été élue grâce aux voix du Parti du droit et de la justice polonais et aussi grâce aux voix de Fidesz d'Orban. Andrej Babis, le premier ministre de la République tchèque, un trumpiste forcené, aussi est membre de ALDE, c'est-à-dire l'Alliance des démocrates et des libéraux. Je crois que peut-être vais-je faire grincer quelques dents ici, mais peut-être qu'il y a simplement que le groupe vert qui n'a pas son petit autocrate sous sa protection. Mais tous les autres groupes, finalement, font des accommodements avec ces régimes qui ne sont pas entièrement démocratiques. Alors, encore une fois, je ne veux pas être trop long, mais comment sortir du piège autocratique, c'est mon dernier point. Il y a l'Union européenne a quand même des mécanismes qui lui permettent de mettre le holà s'il le voulait bien. L'article 7 du traité de l'Union européenne, qui nécessite cependant l'unanimité des États membres, c'est là le problème, permet de suspendre un État, pas de l'exclure de l'Union européenne, mais de le suspendre. Ça n'a pas été utilisé. C'est effectivement l'arme nucléaire, si vous voulez. Mais il y a aussi des sanctions économiques, financières, l'article 260, qui est finalement assez peu utilisé. Et on voit bien qu'à chaque fois, on a des speeches de dirigeants de grands États en apparence démocratique, hein, je pense notamment à la France, l'Allemagne, etc., qui font ces grandes déclarations et qui finalement, une fois qu'ils se réunissent en Conseil européen, eh bien finalement ne font rien et préfèrent encore une fois faire des accommodements avec ces démocraties plus qu'imparfaites. Et le pire, et je conclue ici, c'est que toute une série des idées, et je pense là notamment à la séquence qui s'ouvre après la débâcle du Brexit, je n'ai pas le temps de développer sur le Brexit, mais on pourrait répondre à vos questions si ça vous intéresse, mais ce qui me semble intéressant, c'est que suivant le Brexit, vous avez aujourd'hui tous les États autocratiques, les régimes populistes, les partis d'opposition d'extrême droite, qui auparavant souhaitaient sortir de l'Union européenne, ont changé complètement de tactique. Aujourd'hui, ils veulent y rester et ils veulent la transformer pour en bénéficier totalement. Et on s'aperçoit que finalement, toutes les idées phares de ces partis autocrates, populistes d'extrême droite ou de droite dure, question migratoire, la notion de désenchantement démocratique, l'arsenal de lois antiterroristes, la remise en cause des élites, et tout ça finalement a pénétré le mainstream de la politique et des partis de gauche et de droite mainstream. Donc il y a effectivement des problèmes, et c'est ma dernière remarque, quand on voit aujourd'hui, on comprend mieux dans le contexte des lois sur, par exemple, la sécurité globale de Macron, hein, finalement, ça s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus large, et ça explique aussi pourquoi, finalement, Macron aura beaucoup de mal aujourd'hui à morigéner Orban ou les Polonais ou d'autres États, parce qu'effectivement, il fait plus ou moins la même chose. Je ne dis pas que les deux sont sur les mêmes et ont le même parcours, ce n'est pas du tout le cas, mais finalement les politiques mises en œuvre se ressemblent de manière très troublante. Merci beaucoup Philippe. On va maintenant prendre les questions qui nous sont posées. Il y en a deux pour l'instant, donc je rappelle que vous êtes vraiment bienvenue de poser vos questions qui vont venir enrichir, nourrir le débat et les intervenants vont pouvoir vous répondre. Donc je lis la première, ne pourra-t-on pas parler d'un vrai modèle européen social et progressiste lorsque l'on pourra remettre les biens publics au service de tous les citoyens, par exemple en levant des ressources propres sur le numérique, la pollution, le profit, les transactions financières? Ça, c'est une première question posée par Guillaume et une deuxième posée par Bernard. Comment faire vivre le socle européen des droits sociaux et pourquoi ne pas aller vers une directive européenne? Alors, tout naturellement, je me tourne vers toi, Guillaume, peut-être pour répondre dans un premier temps, puis vous pourrez compléter si vous le souhaitez, Marie-Christine et Philippe. Oui, ce sont évidemment deux excellentes questions et qui font partie
avec la question démocratique que Philippe a évoqué largement tout à l'heure, des principaux sujets qui sont au cœur des difficultés de l'Union européenne et de la nécessité de transformer l'Union européenne. Alors sur la question, donc, je pense que les gens qui sont là le savent, mais on va peut-être le répéter. Et donc, pour l'instant, si vous voulez, l'Europe, j'ai dit que c'était se caractérisait par des niveaux de dépenses publiques importants, notamment de dépenses sociales. Donc, on est tous plus ou moins autour de 50% du PIB de dépenses publiques. Donc, la France est au-dessus et d'autres sont en dessous, mais en tout cas, on est à ces niveaux-là. Simplement, les dépenses publiques européennes en tant que telles ne représentent aujourd'hui que 1% du PIB. Donc, c'est une toute petite fraction de ce qui se fait. Ça fait plus de 60 ans qu'on s'aime, qu'on veut faire plein de choses ensemble, mais on n'a pas été capable jusqu'ici de mettre plus de 1% de nos richesses en commun pour faire des choses ensemble et pour produire donc des biens publics européens à proprement parler. Le principal bien public qu'on ait réussi à produire jusque-là, et Philippe l'évoquait, c'est effectivement un marché, et Marie-Christine aussi, un marché commun, un marché unique, c'est des règles pour le marché. Mais au-delà de ça, on n'a pas été capable de produire grand-chose parce qu'on n'a pas mis les moyens ensemble. Donc, ça, c'est effectivement une grosse difficulté. Donc, un des éléments que le plan de relance permet de faire avancer, c'est l'idée qu'on pourrait non seulement prélever les ressources, mais aussi peut-être s'endetter ensemble pour préparer l'avenir. Donc, ça, c'est un tabou qui saute et c'est vrai que c'est un tabou important. Après, un des enjeux aujourd'hui, c'est justement de savoir s'il s'agit d'une exception qui est liée à un contexte très particulier, celui du Covid, ou si on va être capable de pérenniser ce type de choses. Donc, ça consiste en gros à doubler sur la période qui vient le volume des dépenses publiques européennes. On passe en gros de 1 à 2%. Ça reste tout petit, mais c'est déjà un premier pas dans cette direction. Et effectivement, comme la question est posée, le deuxième élément qu'il y a derrière cette question, c'est la question des ressources, des impôts. C'est effectivement une des difficultés qu'on a eues jusque-là. On n'a pas été capable de lever à proprement parler les impôts directement européens. Donc, ça faisait partie, je crois, des sujets que j'évoquais tout à l'heure, en particulier avec les GAFA. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir un impôt sur l'utilisation des données personnelles par des grandes entreprises ou des choses comme ça? Sur la question de la transition énergétique, est-ce qu'il faudrait pas qu'on ait une sorte de droit carbone aux frontières et que ça finance éventuellement l'Union européenne? Donc, quels sont les types d'impôts qu'on pourrait lever? Donc, ça faisait partie de la discussion sur le plan de relance, mais une des décisions courageuses qui a été prise, ça a été de reporter cette décision en 2026. Bon, honnêtement, je pense que c'est pas forcément une critique vis-à-vis de ceux qui ont pris cette décision. C'est vrai que dans le contexte d'aujourd'hui, je ne sais pas si les temps étaient mûrs pour rajouter des impôts européens dans l'immédiat. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une des questions qu'il faut qu'on aborde très rapidement. Deuxième question sur les droits sociaux. Il y a eu quelques progrès, notamment sur le travail détaché dans ce domaine-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur cette question des droits sociaux, une des difficultés principales qu'il y a ne vient pas forcément des pays qui mènent le plus de dumping social, elle vient au contraire des pays les plus sociaux. La Commission voulait, par exemple, dans la période récente, obliger tous les pays à se doter d'un salaire minimum. Quasiment tous les pays sont presque dotés d'un salaire minimum, mais ceux qui ne le sont pas sont essentiellement les plus sociaux, les social-démocraties scandinaves, etc., etc. Pourquoi? C'est parce que ces pays-là ont peur que si on établit des droits sociaux européens, ça consiste à moyenniser la situation actuelle et que ça aboutisse du coup à dégrader les droits sociaux chez eux. Donc ça, c'est une vraie difficulté. J'ajouterais qu'on a une difficulté structurelle plus importante sur l'ensemble des sujets, en particulier sur la question fiscale et sur la question sociale, c'est qu'il y a un déséquilibre majeur entre les petits pays et les grands pays. C'est-à-dire que quand un petit pays fait du dumping social, fait du dumping fiscal, il peut être gagnant
parce qu'il peut attirer suffisamment d'entreprises ou de riches chez lui pour que ses recettes fiscales augmentent. Ou il peut être gagnant parce qu'il réussit à exporter suffisamment à l'extérieur pour compenser ce que le dumping social lui fait perdre en demande intérieure. Ce n'est pas le cas pour les grands pays, pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie, etc. Nous, quand on fait du dumping fiscal, on perd beaucoup de recettes fiscales en interne et on n'arrive pas à compenser avec des riches et des entreprises qui arrivent. Et c'est la même chose sur le plan social. Si on baisse le coût du travail, on baisse la demande intérieure et on n'arrive pas à compenser avec des exportations supplémentaires. Donc, un des problèmes principaux de l'Union européenne, c'est ce déséquilibre entre petits pays et grands pays en gros, plus on est petit, plus on s'en sort mieux dans le contexte de l'Union européenne. Et c'est aussi pour ça qu'il y a certains pays qui sont tentés par l'éclatement, la Belgique, l'Espagne, etc. Le problème, c'est qu'on a un système politique qui favorise les petits pays parce que ils sont mieux représentés à tous les niveaux et aussi parce que sur les questions essentielles comme la question fiscale, par exemple, on maintient jusque-là la règle de l'unanimité. Donc, il y a des bonnes raisons au fait qu'on ait du mal sur ces terrains-là, mais ça progresse un peu et j'espère que ça va avancer maintenant plus vite, en particulier sur le terrain fiscal. Donc, le fait que la Commission ait choisi maintenant d'attaquer sur le terrain non plus de l'harmonisation fiscale, mais du droit de la concurrence, de dire que les gens qui font du dumping fiscal, ils font des aides d'État illégales aux entreprises. Ça, c'est un levier extrêmement puissant et j'espère que ça va permettre d'avancer assez vite dans les prochaines années. Merci Guillaume. Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, on a un certain nombre de questions, je vais essayer de les regrouper. Et vous pourrez aussi, bien évidemment, répondre sur les droits sociaux, donc Philippe et Marie-Christine, si vous le souhaitez. Donc, on a des questions, une question directe d'Aurore pour Marie-Christine. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'évolution démocratique de l'Union? Et on a des questions également qui portent sur les impôts. Il y a une solution en vue par rapport aux paradis fiscaux au sein de l'Europe, Luxembourg bien sûr, mais aussi Irlande, Pays-Bas et Malte. Et une question également pour Philippe par rapport au Brexit, c'est est-ce qu'éventuellement d'autres pays vont prendre éventuellement ce chemin. Donc peut-être je vous laisse répondre d'abord Marie-Christine à la question de l'optimisme par rapport à l'évolution démocratique de l'Europe, de l'Union, puis ensuite on pourra prendre les deux autres questions. Puis il y en a d'autres qui arrivent. Je vous dirai tout à l'heure. Il faut que vous remettiez votre micro. Le micro, Marie-Christine. Décidément, on me dit que je parle trop fort, j'oublie net mon micro. Je suis vraiment désolée. Donc, je disais, en l'état actuel des choses, je ne suis pas très optimiste. Parce que malheureusement, on voit des dérives par rapport à ça, dans beaucoup de pays européens. Dès qu'on n'a pas voulu voir, y compris quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, je pense notamment à la Bulgarie, et d'autres, hein, parce qu'en 2004, il fallait absolument faire rentrer les pays de l'Est pour contrecarrer l'influence de la Russie, je vais le dire comme ça. Aujourd'hui, ça dérive sur ces questions-là. Ça dérive dans presque tous les pays européens. Et je vais encore reprendre la question de l'immigration, excusez-moi. Mais je dirais que sur ces questions, le groupe de Visegrad, conduit notamment par la Pologne et la Hongrie, a bon dos. Vraiment a bon dos. La Pologne est le pays qui ouvre le plus ses portes aux migrants. Et notamment aux migrants économiques. Alors, pour des raisons spécifiques à la Pologne, parce que c'est des Ukrainiens. En plus, la Pologne, un peu moins la Hongrie, mais de toute façon, la Pologne et la Hongrie ne sont pas les pays qui attirent. Et ce n'est pas eux qui ont le plus de problèmes. Ceux qui ont les problèmes, c'est les pays du Sud. C'est Grèce, Espagne, Italie, France. Alors, je m'étais problème entre guillemets, parce que si on a eu un problème en 2015 par rapport à ça, c'était d'abord essentiellement dû à la guerre de Syrie. Le pic migratoire était
a monté très haut, mais maintenant est revenu au niveau de 2014, et ça représente à peu près 150 000 personnes qui aujourd'hui rentrent en situation irrégulière, ce qui fait une personne pour 4 500 habitants. Si on voulait régler le problème, on y arriverait très facilement. 4 500 migrants à intégrer en plus au niveau de l'Union européenne, la zone économique la plus riche du monde, comme le disait Guillaume tout à l'heure, ça ne devrait pas poser de problème. Mais pourquoi ça pose problème? Et je reviens à la question d'or, ça pose problème parce que sur ces questions-là, que font les grandes démocraties européennes? Elles courent après l'extrême droite. Elles reprennent le vocabulaire de l'extrême droite. On a peur de l'appel d'air, ce qui veut dire qu'on a peur de l'invasion. Et si on prétend lutter contre l'extrême droite en reprenant les mots M-O-T-S et les propositions de l'extrême droite, la fermeture des frontières est quand même une proposition de l'extrême droite, eh bien on ne fait que renforcer le modèle de l'extrême droite. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Guillaume quand il dit que, excuse-moi Guillaume, hein, mais on sait qu'on n'est pas en désaccord, on n'est pas en accord sur ces questions. C'est vraiment du court terme ce que dit Guillaume. Moi, le dernier indice que j'ai, c'est les élections européennes. C'était il y a un an et demi. C'est quand même pas si loin que ça. Il n'y a pas eu autant de députés d'extrême droite au niveau du Parlement européen que lors des dernières élections européennes. Et c'est quoi un député d'extrême droite? Là, je parle uniquement du groupe d'extrême droite. Mais la Pologne est dans le groupe conservateur. Le parti de M. Orban, le Fidesz, est dans le groupe du Parti populaire européen. Et il paraît qu'ils vont enfin l'exclure. Hein, mais bon, c'est le Covid qui les a empêchés de l'exclure. Mais bon, ça fait 10 ans que ça dure et jusqu'à présent, ils ne l'avaient pas exclu pour les raisons très bien expliquées par Guillaume, je crois. Il faut vraiment renverser la table quoi, sur ces questions. Avoir des politiques courageuses qui soient des politiques progressistes. Et je vais mettre sur le terrain de Guillaume en deux phrases très courtes. Moi, j'ai toujours voté pour les ressources propres au niveau de l'Union européenne, contrairement à la majorité de mon groupe. Une des principales ressources européennes possibles, c'est la TTF, la taxation sur les transactions financières. Et qui s'est opposé à la TTF? Il y a eu des tentatives, y compris en politique de coopération minimale. Il y avait 11 États qui étaient d'accord. Qui a bloqué? La France. C'est la France qui a bloqué. Plusieurs questions sur cette possible taxation des transactions financières là, qui viennent au fur et à mesure. Je rajoute une phrase qui vous permet. Pourquoi on n'a pas de modèle social européen? Parce que le modèle économique, le principe de la concurrence libre et non faussée empêche la mise en avant d'un modèle social. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Non. Est-ce que tu me permets de réagir tout de suite, Catherine? Mais bon. Est-ce que tu me permets de réagir tout de suite? Oui, j'ai dit Guillaume, pour réagir rapidement. Mais après, il y a beaucoup de questions, il ne faudrait pas que vous... D'accord, non, je crois que ce n'est pas du tout ça le problème du modèle social. Le problème du modèle social européen, il est d'une nature totalement différente. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, le social est au niveau fédéral parce que le social s'est développé dans la foulée de la crise de 1929. C'est là qu'ils ont commencé à mettre en place, alors avec des limites, etc., une sécurité sociale, une assurance maladie, des retraites. Le problème en Europe, c'est que ça s'est développé dans un cadre national. C'est que le social a été mis en place avant qu'on crée vraiment l'Union européenne. Et donc, chacun s'est doté de systèmes sociaux importants auxquels chacun des citoyens européens est attaché. Ils sont tous ensemble les plus importants au monde, mais ils répondent en général à des architectures un petit peu différentes dans chaque pays et ils sont impossibles
Enfin, c'est très compliqué d'harmoniser le social tel qu'il existe aujourd'hui, enfin en tout cas les dépenses sociales au niveau européen. Donc la question du modèle social européen, c'est pas de construire un modèle social européen, c'est surtout d'avoir un modèle économique qui cesse de détruire les modèles sociaux nationaux. Mais là, c'est d'abord effectivement la question du dumping fiscal qui est très importante, la fiscalité des entreprises et la fiscalité des capitaux. On a fait des progrès, je crois qu'on peut en faire très rapidement maintenant des supplémentaires, mais ça sert à rien de sauter comme un cabri avec l'Europe sociale, elle viendra pas. Parce que elle s'est développée dans un cadre national et que ce sera très lent à rapprocher, etc., etc. Donc c'est pas ça le sujet. Pour moi, l'Europe, elle peut et elle doit être, par contre, environnementale. D'ailleurs, parce que là, c'est des problématiques qui sont nées, qui se sont développées après la construction de l'Union européenne. Donc, la France, c'est un pays qui n'a strictement aucun droit de l'environnement. Le seul droit de l'environnement qu'on a en France, c'est du droit dérivé européen. C'est la transcription en droit français des règles européennes. En général, on les transcrit trop tard, trop peu. On est condamné devant le Cour de justice parce qu'on ne les met pas en œuvre, même quand on les a transcrits, etc. Mais il n'y a jamais eu de politique environnementale française. C'est depuis le départ une politique environnementale européenne. Et donc, autour de la transition écologique, autour de l'environnement, c'est là qu'on peut construire véritablement des biens publics européens, construire une intégration européenne. C'est malheureusement pas, enfin malheureusement ou heureusement, en tout cas, c'est pas au niveau du social que ça peut se passer pour des raisons historiques essentiellement. La question, c'est de pas détruire nos états sociaux nationaux. Merci Guillaume. Alors Philippe, donc si vous pouvez répondre à la question d'Aurore sur finalement en creux c'est le Brexit et puis la possibilité que ça inspire d'autres États pour faire la même chose et peut-être aussi en profiter aussi pour donner votre avis sur cette évolution de la démocratie européenne et peut-être on a énormément de questions qui arrivent justement sur la question de la démocratie. Est-ce qu'elle est une question d'Alain, est-ce qu'elle est captée par les technocrates européens? Est-ce qu'on a un problème de gouvernance trop compliqué qui ne permet pas finalement une véritable démocratie? Et on a également, Guillaume a répondu assez largement sur Marie-Christine sur la question des taxes européennes sur les transactions financières, mais il se pose quand même des questions aussi de différence entre les pays, notamment pays du sud de l'Europe et pays du Nord. Alors, je vous laisse répondre, Philippe, c'est à vous. Merci. Il y a beaucoup de questions, je les lis, et oui. je vais en prendre trois, mais ce sera pas une réponse concise, ne vous en faites pas, je ne vais pas être trop long. La première, celle d'Aurore Laluc sur d'autres exits, d'autres sorties possibles, je pense qu'il y avait un vrai débat assez nourri avant le Brexit britannique, donc, la possibilité d'envisager une sortie. Il y avait un débat assez nourri, même en France, où il y avait d'ailleurs un courant eurosceptique qui gagnait du terrain partout. C'est pas simplement l'euroscepticisme en France n'est plus limité à une forme de gaullisme historique ou à l'extrême droite. On a un euroscepticisme de gauche, pas dans toute la gauche, mais dans certains cercles de gauche, notamment des camarades plutôt proches de Marie-Christine que des Verts ou que des sociaux-démocrates. Et je précise bien, Marie-Christine, que tu n'en fais pas partie, mais il y a autour, dans cette mouvance gauche radicale, effectivement, il y avait un débat, notamment autour de la France insoumise, pour ne pas le nommer, Mélenchon. Et je m'aperçois que depuis le Brexit, et ce qui s'est passé depuis 4 ans, parce que ça fait déjà 4 ans que le vote a eu lieu, ça s'est dégonflé tout ça. On en parle beaucoup moins. Et on en parle beaucoup moins partout, d'ailleurs. L'extrême droite, je l'ai dit dans mon intervention, ne parle plus maintenant de sortie. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte qu'entre l'aspiration à sortir pour refaire tout sur une page blanche nouvelle et tout ira bien, etc., c'est Prométhée qui pousse son bout de rocher sur la montagne. C'est quelque chose d'absolument impensable. Et d'ailleurs, nous verrons bien dans quelques mois, puisqu'on va sortir le 31 décembre, ce qui se passe pas. Si effectivement, la situation économique, sociale et politique du Royaume-Uni
se détériore par rapport à ce qu'il y avait lorsque le pays était dans l'Union européenne, eh bien effectivement, je crois que ça sera la fin du débat. Donc, ma réponse à Aurore, c'est ça, c'est de dire que pour le moment, le Brexit aura eu au moins, je pense que c'est une catastrophe que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, et pas simplement parce que j'y habite et que je ne souhaite pas sortir de l'Union européenne, mais je pense que ça a au moins rafraîchi les ardeurs de tous ceux à gauche et à droite qui pensaient sortir, parce qu'on se rend bien compte que c'est, après tout, pas particulièrement une bonne idée, qu'on soit de gauche ou de droite. Deuxième question, c'est Alain Dupré, sur la technocratie. Je pense que c'est, moi là je dirais une chose très, très claire là-dessus, mettre sur le dos des technocrates, des lobbies européens qui existent, hein, je suis tout à fait d'accord, il y a une technocratie européenne supranationale qui applique de manière plus ou moins mécanique les directives et le droit européen, mais donc sur le dos de ces unités, de ces entités qui existent et qui produisent des effets politiques, tous les malheurs et les problèmes européens, je crois que c'est une erreur. Rien ne se fait d'important dans l'Union européenne qui ne soit décidé au niveau des États membres, c'est-à-dire des gouvernements, des premiers ministres, des présidents, rien. Donc, encore une fois, c'est se défausser que de chercher ce genre de bouc émissaire qu'on haït, et ils sont faciles à haïr. Et je pense qu'en France, on est malheureusement notamment sur cette pente, encore une fois, à gauche et à droite. Je dirais que la période où ce qui se passait dans l'Union européenne en termes de décisions, où finalement on savait très peu ce qui se passait, comment les décisions étaient prises, qui les prenait, ça remonte en fait à 20, 30, 40 ans. C'est une époque qui est révolue. Aujourd'hui, l'Union européenne est davantage soumise à une observation des médias, des partis politiques, y compris nationaux. Bref, l'intégration européenne s'est politisée. Alors, peut-être pas au même niveau qu'au niveau national, et c'est impossible là-dessus. Je dirais, c'est le même parallèle que faisait Guillaume Duval, la question sur le social. Le propre de l'intégration européenne, ce n'est pas d'essayer de refaire au niveau supranational exactement ce qu'on a au niveau social. C'est impossible, c'est trop dur. Mais au moins, de faire en sorte qu'il y ait une vraie transparence, une vraie démocratie. Et on en a davantage. Les gens comprennent mieux aujourd'hui comment fonctionne l'Union européenne qu'il y a 20, 30 ans. Donc, il y a du progrès, même si, effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Troisième question, c'est sur le vote à l'unanimité des 27. Effectivement, c'est un problème. À chaque fois qu'il faut prendre une décision importante, d'avoir, notamment, on le voit avec les deux régimes autocrates en Europe, désigner la Pologne et la Hongrie, qui peuvent à tout moment bloquer des décisions importantes concernant le budget, ou y compris lorsque eux-mêmes ont la question de leur suspension est dans la balance, ce qui n'est pas encore le cas. Moi, je dirais deux choses. D'abord, toutes les décisions européennes ne sont pas prises à l'unanimité. Il y a beaucoup de décisions, même majorité des décisions, qui ne sont pas prises à l'unanimité. Il y a différents types de votes qualifiés, relatifs, etc., majorité absolue, majorité des trois quarts, je ne sais pas, il y a différence, c'est assez compliqué. Donc, il y a effectivement des mécanismes qui permettent de débloquer les situations sur des décisions dites moins importantes. Mais je pense qu'il est quand même relativement normal que sur des décisions, je dirais, existentielles, l'ensemble des 27 puissent se mettre d'accord. Le problème, c'est qu'effectivement, certains États utilisent ce droit de veto et de blocage pour effectivement essayer d'amener les autres États à des compromis pas forcément bons sur des questions dites moins importantes. Et j'en profite justement pour poser la question là, qui vient d'être posée par Gérard Wint. Dans quel domaine la règle de l'unanimité pourrait-elle être levée pour faire avancer l'Europe justement dans la défense de ce qu'elle a de meilleur et de son modèle économique, enfin son modèle? Comment la lever, donc je ne sais pas si vous souhaitez répondre. Sur... Rapidement, on peut faire un peu de Jacques Delors ici, qui parlait des cercles concentriques. C'est une idée lancée au début des années 90, qui a d'ailleurs fait long feu. Les Français en parlaient beaucoup, c'était d'ailleurs pratiquement les seuls. Ça faisait assez ricaner d'ailleurs en Europe, parce qu'effectivement, c'était l'idée que, bon, il y a un marché unique, on l'a depuis l'acte unique, d'ailleurs décidé largement par un président socialiste français, Mitterrand, l'acte unique, et cet acte unique, c'est pas fait dans la transparence, pour revenir à la question précédente. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y aurait davantage de transparence que ça, qui permettrait d'ailleurs à la gauche de ne pas laisser ce genre de choses se faire, parce que les fondations de ce marché unique, tout à fait critiquable,
ont été posées dans les années 80-90. Et non, je dirais qu'effectivement, on peut penser que il y a aujourd'hui, j'ai perdu le fil de ma pensée, excusez-moi, Catherine. Sur les systèmes dans lesquels il n'y avait pas de majorité. Oui, sur les domaines, justement, quels sont les domaines là où s'applique la règle de l'unanimité? Quels sont les domaines qui, où on pourrait effectivement la lever pour faire avancer l'Europe dans la défense de ce qu'elle a de meilleur? Voilà. Puis après, je repasserai la parole à Marie. Oui, excusez-moi, j'étais parti et vraiment en une phrase. Les cercles concentriques, c'est-à-dire pour une intégration politique davantage, voire sociale. Alors, on pourrait effectivement sélectionner certains thèmes qui sont chers, notamment à la France, qui traditionnellement veut une Europe politique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas véritablement de demande ailleurs. Hein, les Allemands, les partenaires traditionnels historiques de l'Europe, de la CEE, des CET, il y a finalement, même au sein de ce noyau dur, il y a peu de clients pour soutenir ça. Donc voilà pourquoi ça ne prend pas. Hein, mais on pourrait effectivement imaginer une avancée dans certains domaines thématiques, une avancée de certains pays par rapport à d'autres, avec le risque effectivement d'une fragmentation et d'une décomposition, parce que quand même l'intégration européenne, c'est quand même tenir une union de 27 aujourd'hui. À partir du moment où vous faites ça, c'est plus tout à fait une union. Hein, c'est quelque chose avec à géométrie variable. Est-ce que je peux reprendre là-dessus Oui, bien sûr, mais peut-être aussi intégrer donc aussi cette question, parce qu'elle est connexe, de la démocratie qui serait captée par des technocrates européens. C'est une question qui, comme vous avez pu le voir là, qui revient justement sur la préoccupation des politiques également, et de prendre en compte ces éléments. Guillaume. Oui, enfin, sur les technocrates européens, donc Philippe a déjà dit beaucoup de choses, mais ce qu'il y a de vrai, c'est que, si vous voulez, le problème de la démocratie, il est beaucoup plus celui de la démocratie française que de la démocratie européenne, hein, en termes de transparence des décisions publiques, de poids des lobbies et de transparence. Il y a eu beaucoup plus de choses qui a été fait en Europe qu'en France aujourd'hui, et le problème, c'est aussi par rapport aux politiques européennes, c'est aussi la question que personne ne sait en France quelle est la position que défend le gouvernement français dans les instances européennes. Hein, donc j'évoquais tout à l'heure, c'était dans un autre débat, la différence entre la France et l'Allemagne. Avant chaque Conseil européen, Angela Merkel va devant le Parlement allemand et elle dit voilà ce que je vais défendre au nom du gouvernement allemand comme position. Jamais aucun gouvernement français n'a fait la même chose. Il n'y a aucune transparence sur les positions prises par la France au sein des instances européennes, et c'est beaucoup plus là que le problème se pose que sur la question des technocrates européens. Alors après, il y a peut-être des questions qui sont liées au statut de la fonction publique européenne, au fait que c'est effectivement un milieu assez fermé et assez coupé du reste de la société, de la politique. Donc ça, c'est vrai. Voilà comment se pose le problème, à mes yeux, plutôt là-dessus. On peut savoir plein de choses. C'est vrai que c'est des structures compliquées, mais en termes de transparence, d'informations disponibles, il y en a beaucoup qui est disponible, beaucoup plus qu'en France. Sur les cercles concentriques, je crois que c'est quand même une discussion très importante et qui va d'ailleurs probablement devenir encore plus importante là maintenant. Donc il y a déjà beaucoup de cercles distincts au sein de l'Europe, hein. C'est déjà une logique qui existe sur Schengen, sur la défense. Enfin, il y a beaucoup de domaines où il y a différentes configurations, mais c'est vrai que ça pourrait se développer. Il faut bien comprendre pourquoi ça ne s'est pas développé jusque-là. La principale question, c'est la position de l'Allemagne. Il faut bien comprendre, quand on est français, que Berlin se situe à 60 km de la frontière polonaise, que quand on est chancelier allemand, et surtout chancelière allemande née et grandie dans l'Europe de l'Est, ce qui se passe en Pologne, c'est au moins aussi important que ce qui se passe à Paris, et on n'a pas envie de se couper de l'Europe de l'Est, d'autant que cette Europe de l'Est sert comme hinterland à l'économie, à l'industrie allemande. Donc ça a été jusque-là la principale raison qui a fait que les Allemands se sont opposés à une intégration plus poussée de la zone euro, en particulier sur le plan politique, etc. etc. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même là aussi une évolution majeure, c'est-à-dire que les Allemands, les élites politiques et économiques allemandes se rendent compte
avec Orban, avec le PiS, etc., que c'est mort, que l'Europe centrale et orientale est, pour des raisons historiques compréhensibles d'ailleurs, durablement opposée à tout progrès de l'intégration européenne, durablement opposée à des avancées dans ces domaines-là. Et je crois que les Allemands sont prêts aujourd'hui à jouer le jeu du développement différencié, d'avoir une intégration plus poussée avec la France, avec l'Europe de l'Ouest et même avec l'Europe du Sud qu'il ne l'était il y a 4 ou 5 ans. On va voir comment évolue la question du plan de relance, mais une des solutions qui est sur la table et qui a pas mal de chances de se faire, c'est quand même de dire on va le faire sans les Polonais et sans les Hongrois s'ils sont contre. Et on va faire un espace où on aura cet endettement commun et ces dépenses communes supplémentaires. Donc ça, c'est pas une question qui est morte. Je pense que en plus, chacun a conscience que ça fera pas exploser l'Union parce que les Polonais auront quand même toujours trop peur des Russes pour dire si c'est comme ça, j'en sors, si c'est comme ça, je casse la machine. Ils préféreront rester dedans, même si des choses se font sans eux, que d'en sortir. Donc je crois que là aussi le contexte géopolitique change les choses pour les Allemands. La sortie des Britanniques de l'Europe est aussi une bonne chose pour ça, parce que les Allemands se rendent compte qu'ils n'ont plus d'alliés potentiels alternatifs à la France s'ils veulent maintenir l'Union européenne, continuer l'intégration européenne, etc. Ils sont obligés de se rapprocher de nous et de faire des choses avec nous. Donc la sortie des Britanniques est une très mauvaise chose pour le projet européen, notamment sur le plan de la défense et de la politique extérieure, parce que c'est eux le deuxième pays qui a la force nucléaire en Europe, c'est eux qui ont une armée, c'est eux qui ont un siège aux Nations Unies, etc. etc. Mais pour pas mal d'autres aspects, dont celui-là, c'est plutôt une bonne chose. Alors sur les domaines où l'unanimité devrait sauter, donc sur la question de la fiscalité, c'est vrai que c'est un des domaines où ça pourrait aider, mais en même temps, c'est vrai que c'est un des domaines où c'est très compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, on peut lutter contre le dumping fiscal sans faire sauter l'unanimité sur les questions fiscales si on poursuit sur la voie où la Commission européenne s'est engagée, c'est-à-dire de dire c'est un problème de concurrence libre et non faussée. Les gens qui baissent trop les impôts faussent la marche du marché unique. Si on continue comme ça, si on utilise cet argument-là, il n'y a pas besoin d'unanimité parce que c'est un des domaines où la Commission a des pouvoirs très étendus pour sévir. Donc ça, c'est une chose, mais c'est vrai que ça aiderait. L'autre domaine essentiel sur lequel il faudrait la lever l'unanimité, en tout cas partiellement, c'est sur les questions de politique étrangère, et de défense. C'est vrai que là-dessus, l'Europe peine toujours à réagir. Donc on l'a vu sur l'affaire de la Biélorussie, on a mis des semaines à prendre des sanctions contre les dirigeants biélorusses parce que les Grecs et les Chypriotes bloquaient pour avoir des sanctions contre les Turcs en même temps, etc. Ça, c'est pas possible. C'est vrai qu'il faudrait qu'on réussisse à faire sauter au moins partiellement l'unanimité dans ces domaines-là pour exister sur la scène mondiale, sur les sujets de géopolitique mondiale. Merci Guillaume. Il nous reste un petit peu moins d'un quart d'heure, donc je vais passer la parole à Marie-Christine, mais je voudrais inclure cette question à laquelle on n'a pas encore vraiment répondu, donc de Serge Henry sur quid de l'Europe du Sud et de sa capacité à se relever, là je lis la question, face à la force économique de certains États de l'Europe du Nord, et avec éventuellement cette deuxième question du risque éventuel d'un éclatement de l'euro face à cette divergence. Et je pense qu'on pourrait aussi ajouter la question de la politique industrielle que vous avez peut-être lue également, qui me paraît importante. Et enfin, il y a eu plusieurs questions de Louis, notamment sur le temps politique, en fait, le fait que les politiciens ont cet agenda politique d'être réélus et non pas finalement de retrouver les fondements de la démocratie. Donc peut-être si on peut, j'essaie d'inclure toutes les questions, que personne ne soit laissé de côté. Et dans votre début de conclusion, si c'est possible, puisque je passe la parole maintenant
à tous pour quelques minutes. Pensez à ces questions. Je vous remercie, Marie-Christine. C'est à vous. Oui, je ne vais pas répondre sur tout le flot des premières questions. Hein. Ce n'est pas mon champ de compétence. Je dirais une bêtise et je me fais reprendre par Guillaume. Donc, non, j'ai envie de dire un truc. Je comprends que Guillaume réagisse comme ça par rapport à la question économique. Je vais le poser autrement, économique et sociale. Je vais le poser autrement. Et moi, j'ai toujours dit, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Parti socialiste, que les socialistes ont une énorme responsabilité en la matière. Dans les années 90, ils étaient majoritaires au Conseil, pas au Parlement européen, mais au Conseil. Et ils ont fait, comme le dit Guillaume, l'acte unique et le traité de Maastricht, c'est-à-dire plus d'économie et pas plus de social. Donc, il y a quand même un petit problème. La deuxième chose sur ces questions-là, c'est que je pense, et je le redis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'on a fait rentrer trop vite les pays de l'Est, avant même qu'ils aient rempli les critères, en réalité. On est beaucoup plus réticents sur les pays qui continuent de frapper à la porte aujourd'hui, pas forcément pour des raisons qui sont pas fondées, mais... en réalité, parce que dans les pays qui frappent à la porte, il y a un peu trop de pays musulmans, mais bon, c'est un autre sujet. Je voulais dire un mot aussi sur la… il y a une question sur la question du socle européen des droits sociaux, s'il ne pouvait pas passer dans une directive. Le socle européen des droits sociaux est une révision à la baisse des grands principes en matière de droits sociaux qui sont défendus par le Conseil de l'Europe. Les pays membres de l'Union européenne, je parle de la Charte sociale européenne, hein, et ils donnent énormément de place aux positions des États membres. Donc, à mon avis, ce n'est pas possible d'avoir une directive. D'abord, le socle européen des droits sociaux, ça ne me paraît pas être du champ d'une directive. Et donc, c'est un vrai problème. Sur la question de la gouvernance et des technocrates, moi, j'ai vu, alors sur le champ qui est le mien, j'ai vu une évolution dramatique des fonctionnaires européens. Parce que de plus en plus, au lieu d'avoir un recrutement européen, ce sont les États qui envoient leurs fonctionnaires au niveau de la Commission européenne. Et notamment, tout ce qui relève du champ intérieur, ce sont les politiques intérieures et donc politiques migratoires, ce sont les fonctionnaires des ministres de l'Intérieur qui vont faire un petit tour de mobilité au niveau européen. Et on a même vu ça à l'intérieur du Parlement européen. Ils font des stages et ça devient surréaliste parce qu'ils sont sur la position des États membres. Donc, il y a de plus en plus de difficultés pour faire avancer positivement un certain nombre de sujets. Moi, je veux dire sur les politiques migratoires qui sont une des choses sur lesquelles il n'y a pas besoin de majorité qualifiée. C'est pour ça que je dis le groupe de Visegrad, il a bon dos en la matière. Donc, je pense que là, on perd un certain nombre de choses. Et sur la politique étrangère, moi, je n'y crois absolument pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un problème de politique européenne, c'est un problème que chacun des États membres veut continuer à défendre sa propre politique étrangère, et la France est loin d'être en dernière ligne en la matière. S'il y a besoin d'un exemple, prenons ce qui s'est passé en Libye. L'Union européenne a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait, mais ceux qui bloquaient et qui faisaient ce qu'ils voulaient, c'était les Italiens et les Français, qui se sont même heurtés sur chacun une position par rapport à la situation en Libye. Donc, je pense que le problème, effectivement, est d'abord dans les États membres et que je pense qu'il y a besoin d'un rééquilibrage entre le Conseil et le Parlement européen. Parce que, en ce moment, c'est le Conseil qui bloque la plupart des décisions, et je crois qu'on ne pourra avancer vers plus de démocratie et vers une question sur un vrai modèle européen social et progressiste. Je pense qu'il faut arriver à rééquilibrer les pouvoirs et à ce qu'il y ait effectivement plus de transparence au Conseil, parce que c'est l'organisme de l'Union européenne qui est le moins transparent.
Hein, la commission quand même, même si les lobbies, etc., bon, on sait à peu près ce qu'ils font les lobbies. Hein, quand on, et la commission a quand même un fonctionnement relativement transparent. Le Parlement européen, il est totalement transparent, hein, ou presque totalement transparent. Mais le Conseil, c'est dramatique. On a même des cas dans lesquels les conférences de presse sont le contraire faites par les chefs d'État et de gouvernement, sont le contraire de ce qu'ils ont dit à l'intérieur. Donc, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Mais moi, je continue de croire qu'il peut y avoir un modèle alternatif dans l'Union européenne. C'est très difficile parce qu'il faut convaincre effectivement l'ensemble des citoyens des États, mais je pense que ça passe par une mobilisation citoyenne européenne et que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler, y compris pour faire comprendre aux citoyens européens que leurs États membres les pipotent, si vous me permettez cette expression. Merci Marie-Christine. Je vous passe la parole, Philippe, et j'ajoute une remarque là, qui a été mise dans le chat par Guillaume. Le veto des Hongrois-Polonais ne porte hélas pas juste sur le plan de relance de 750 milliards d'euros, mais aussi sur le budget de l'Union européenne. Voilà, cette remarque, je pense que c'est bien de l'avoir, merci de l'avoir mise. Et je vous passe la parole, Philippe, à la fois en réponse peut-être, si vous pouvez, à certaines interrogations sur lesquelles on n'a pas répondu, cette inquiétude de l'éclatement de l'euro à cause des divergences entre le Sud et le Nord, et également l'usage des fonds structurels. Voilà, mais je vous laisse conclure comme vous le souhaitez, bien évidemment. Il faut mettre votre micro. Voilà. Pardon, excusez-moi. Je voudrais répondre à la question de Louis Riounet, posée il y a 27 minutes exactement. Voilà, sur ce, parce que je crois que c'est un point qui finalement est intéressant et important pour comprendre un petit peu comment l'Union européenne est utilisée dans les débats nationaux. Hein, c'est quasiment un punching ball, je dirais. Je vais expliquer pourquoi. Louis parle de séduction du personnel politique pour se faire réélire. Je ne sais pas si on peut parler de séduction de nos jours. La séduction, pour moi, veut dire qu'on va promettre la lune aux électeurs, hein, avec un programme fantastique qu'on va raser gratis, comme on dit, en tout cas pour les hommes. Et puis on va faire des choses extraordinaires, hein, changer la vie, vous souvenez, etc. Je pense qu'on n'est plus à ce stade aujourd'hui dans les démocraties, malheureusement, ou peut-être c'est bien, je ne sais pas, mais aujourd'hui, on est plutôt à un stade où les gouvernements nous promettent plutôt de la peine et nous intimident. Hein. Je crois qu'on est, d'ailleurs, c'est pour ça que la question sociale est évacuée dans une large mesure, dans les programmes électoraux et les campagnes, et maintenant, on se concentre sur des questions régaliennes, de maintien de l'ordre, l'immigration, les valeurs républicaines, la laïcité, pour ne parler que de la France, toutes ces choses qui sont des distractions totales par rapport aux vraies questions. Hein. Et d'ailleurs, quand on parle de toutes ces choses, comme la laïcité et valeurs républicaines en France, on ne parle pas vraiment de ça, on parle d'autre chose. Hein. Ce sont vraiment des étiquettes qui sont prises pour pouvoir passer un message quasiment subliminal sur d'autres choses, qui sont des questions d'identité, d'intégration, est-ce que telle catégorie de la population est compatible avec notre mode de vie, etc. Vous voyez où je veux en venir. Voilà où on en est. Donc, peut-être séduction, non, je ne crois pas. Et justement, quand on transpose ça à ce qui se passe en Europe, on peut voir que, et là, ils le font tous, pas simplement les Français, évidemment, l'utilisation de l'Union européenne dans le jeu national. Et cette utilisation est tout à fait, je dirais, cynique. C'est-à-dire que, finalement, tout ce qui se passe en mal au niveau national, toutes les décisions impopulaires, eh bien, les gouvernements tendent à l'utiliser comme, voilà, c'est l'Europe qui veut ça, c'est la faute à l'Europe, je suis contraint de le faire parce que c'est l'Europe qui le veut. Et je pense que c'est cynique et largement, évidemment, fallacieux, parce que, dans une large mesure, les décisions européennes sont des décisions, en tout cas les décisions importantes, sont des décisions intergouvernementales, encore une fois, sont les gouvernements eux-mêmes qui décident de ces choses. Donc, il y a quand même une ironie incroyable, hein, et c'est pas drôle d'ailleurs, sur un plan national, à dire que l'Europe est responsable de certaines décisions, alors que finalement, les Français, les Allemands et les autres gouvernements, lorsqu'ils se rassemblent,
notamment dans le Conseil européen ou à la Commission, eh bien, ce sont eux qui décident. La Commission ne représente pas les États, mais au niveau du Conseil européen en tout cas, vous avez des décisions qui sont prises finalement par les États. Donc, je crois qu'il y a, quelque chose, un jeu délétère. Et moi, je rêve d'un président ou d'un gouvernement, notamment en France, qui un jour pourrait être mûr sur cette question et pour dire voilà comment ça se passe en Europe, voilà ce que nous avons décidé et défendu au Conseil européen, voilà ce que nos commissionnaires défendent, voilà ce qui se passe au Parlement européen. Ce que fait, Guillaume l'a rappelé, Merkel, les Allemands là-dessus sont beaucoup plus démocrates et transparents que nous. Voilà ce que ce serait, je crois, un vrai débat mûr. Mais encore une fois, de mettre ça sur le dos de l'Europe, qui a bien des défauts, hein, ne croyez pas que je sois un Eurobéa, eh bien, est une erreur. Merci beaucoup, Philippe. Bon, Guillaume, et tu n'as plus tellement de temps pour conclure avant que je puisse aussi annoncer la suite du programme. Donc, je m'excuse. Sur ton micro, Guillaume. Ton micro. Si tu peux, en une minute. On va déborder un peu. Non, simplement sur le temps politique et le court-termisme, oui, c'est un vrai problème de fond, c'est-à-dire que l'essentiel des mesures qu'il faut prendre aujourd'hui, notamment pour la transition écologique, mais c'est aussi valable dans d'autres domaines, a un statut d'investissement, c'est-à-dire que ça commence par coûter aujourd'hui en argent, en peine pour les gens, etc., et ça rapporte plus tard, et le problème c'est que ce plus tard est souvent après la prochaine échéance électorale, et donc ça coince. Ça, c'est un problème très très structurel de la démocratie, et c'est un problème qu'il faut résoudre, mais c'est un problème qu'on rencontre aussi en France et pas simplement à l'échelle européenne. Deuxième chose, avant d'attaquer sur les questions d'Europe du Sud, etc., sur la Libye, je suis pas d'accord avec Marie-Christine pour envoyer la France et l'Italie dos à dos sur les affaires libyennes. Hein. Ce qui s'est passé en Libye, c'est que vous avez l'Italie et les institutions européennes qui ont soutenu un processus soutenu par les Nations Unies, avec un gouvernement soutenu par les Nations Unies, et vous avez un pays, la France, qui a foutu le bordel en soutenant un dictateur en puissance sur l'autre partie de la Libye. Et ce qui a suscité l'intervention de la Turquie récente, mais le problème c'est que en Méditerranée, dans le sud de la Méditerranée, c'est bien souvent la France qui fout le merdier. Bon, et dans le cas précis, en tout cas, ça a été ça. Donc sur Europe du Sud, éclatement de l'Europe, politique industrielle. Oui, donc il y a eu, suite à la crise de 2008, suite à la crise de la zone euro, un accroissement des divergences entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, accroissement aggravé aussi par la fuite des jeunes des pays d'Europe du Sud, hein, qui trouvaient pas de boulot, sont partis bosser pour l'essentiel en Allemagne. Et ça, c'est un vrai problème structurel qui est très lourd. On a un peu fabriqué un mezzogiorno de très grande taille avec les politiques qui ont été menées jusque-là en Europe et au sein de la zone euro. C'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument des transferts et une politique régionale beaucoup plus poussée au sein de la zone euro. Si vous voulez, un jeune de 20 ans, ça coûte en gros 10 000 euros par an à élever, 5 000 euros de dépenses publiques pour l'éduquer, etc., 5 000 euros de dépenses privées pour le nourrir, le loger et tout ça. Quand un jeune de 20 ans part d'Italie, de Grèce ou du Portugal pour aller bosser en Allemagne et combler le trou démographique des Allemands, ce qui s'est produit, ça veut dire qu'à chaque fois, l'Allemagne doit 200 000 euros au pays d'origine. Hein. Donc, quand vous avez 1 million de jeunes grecs, italiens, portugais, espagnols qui sont partis en Allemagne, ça veut dire que l'Allemagne doit 200 milliards d'euros à ces pays d'origine. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à faire comprendre à nos voisins allemands. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils commencent un tout petit peu à le comprendre, que c'est un problème et qu'il faut le régler. Mais oui, on a besoin de transfert pour éviter l'éclatement de l'Europe. Mais ceci dit, comme je le disais tout à l'heure, je pense que les Grecs ont bien compris qu'ils n'avaient aucun intérêt à sortir de la zone euro. Les Italiens ont bien compris qu'ils n'avaient aucun intérêt à sortir de la zone euro, que ce serait encore plus dur en dehors, etc. etc. Ce risque d'éclatement est quand même limité, mais oui, il faut des politiques plus importantes de transfert. Mais je crois qu'on peut y arriver. Et dernier point sur la politique industrielle, oui, ça a
été un des grands manques jusque-là. Donc l'Europe a loupé tous les virages technologiques récents parce qu'elle n'a pas eu de politique industrielle. Si vous voulez, c'est pas les petits génies sur la côte ouest des États-Unis qui ont fait l'internet. Hein. C'est la défense américaine, le ministère de la défense américaine, les politiques publiques pendant 30 ans qui ont construit ces réseaux-là. Et après, les petits génies qui sont venus là-dessus pour se dire est-ce qu'on pourrait pas faire le fric avec ça. Mais ça n'a jamais existé en Europe jusque-là. Les Allemands commencent à s'y étaient très opposés, ils commencent à comprendre aussi qu'on a vraiment besoin de ça. Bon, la difficulté de la politique industrielle européenne, c'est que si vous mettez beaucoup d'argent sur la table, il faut que vous choisissiez à qui vous le donnez, à quel pays vous le donnez, où est-ce que vous placez vos billes, et c'est ça qui est très difficile. C'est pas simplement parce que les fonctionnaires européens sont ultra-libéraux qui sont contre, c'est que ça implique des choix très compliqué. Si vous voulez, pour la Finlande, dire « moi, je fais pas de bagnole », c'est pas compliqué. Pour la France, l'Allemagne et l'Angleterre ou l'Italie, il faut choisir où est-ce qu'on met des bagnoles ou où est-ce qu'on n'en met pas. Quoi. Voilà. On va pas pouvoir conclure sur un débat aussi riche, aussi passionnant et aussi avec autant de sujets, mais je vous remercie infiniment tous les trois pour la qualité de vos réponses et de tout ce que vous avez apporté au débat. Vous pouvez retrouver, donc je m'adresse aux auditrices et auditeurs, la suite du programme, puisque nous faisons une petite pause déjeuner, mais nous reprenons à 14h30 avec toute une série de débats. Il y a encore 6 débats, je n'ai pas le temps de tous les citer. Et vous pouvez toujours vous inscrire. N'hésitez pas à aller sur le site d'Alternatives économiques et de cliquer sur les débats qui vous intéressent pour recevoir un lien. Enfin, je vous donne rendez-vous à 16h30 pour la conférence de clôture de cette cinquième édition des JEA, reconstruire la démocratie. Il a été beaucoup de questions de démocratie en Europe, mais nous allons continuer ce débat donc avec Dominique Méda, Philippe Jachan et Laurent Berger tout à l'heure à 16h30. Et nous commencerons par la remise du prix Veblen par Dominique Méda qui a pris la suite de Philippe Frémaux, qui était directeur fondateur de l'Institut Veblen et qui remettra ce prix à 16h30. Donc, bon appétit à tous et à tout de suite, à tout à l'heure, à 14h30. Je repasse l'antenne à Jérémy. Merci encore.